Salut les amis, ce matin je suis à Telocher pour découvrir l'atelier céramique chez Anne Petit à Telocher. Voilà, je vais m'initier à la poterie, je vais mettre de la valeur dans mes mains pour le monde de demain. Hein. On va voir, parce que je parie sur les low-tech pour l'avenir. Je veux influencer tout le monde à se remettre au local. Et demain, l'avenir, voilà, on ne sait pas ce qui deviendra, mais en tout cas, ce ne sera pas le pétrole et l'or pour moi. Ce sera la valeur dans nos mains. Donc je vous invite à réserver sur Weekendoo des ateliers comme ici d'artisans autour de chez vous. Bientôt peut-être avec Génération Locale, vous pourrez réserver directement leurs ateliers. Voilà, c'est une découverte. Je ne sais pas ce que ça va donner, apparemment je vais faire un mug. Allez, à toutes. Donc là je suis avec Anne, elle va m'expliquer l'atelier de ce matin, ce qu'on va faire ensemble. Là, le but c'est de réaliser une tasse selon vos désirs. Donc le but c'est de définir la hauteur de la tasse. Donc, dans un premier temps, il faut étaler la tasse, la terre, dans la hauteur. Et ensuite, il faudra faire le périmètre de la tasse. C'est ce qu'on appelle un travail à la plaque. Donc, c'est un travail relativement simple, mais méthodique à la main, ouais, qui permet de réaliser des tasses qu'on va pouvoir utiliser au quotidien. Okay. Donc, la terre, c'est un grès lisse. C'est une terre haute température qui peut aller aussi bien au lave-vaisselle qu'au micro-ondes après cuisson. Là, on va utiliser un gabarit en carton, comme un tube, en fait, que je recouvre de journal. Ça va permettre à la terre d'être étayée sans coller au support pour pouvoir être enlevée par la suite et cuite dans de bonnes conditions et permettre le nettoyage de l'intérieur dans un deuxième temps. Premier temps, étalage de la terre sur les rails pour avoir un gabarit de hauteur. On redescendra à 4 mm ensuite pour avoir une lèvre plus douce qui sera adaptée à l'usage quotidien. Cool, donc le but c'est de faire un mug après dans les 2 heures. Dans les 2 heures, la première partie du mug sera faite. Ok. Donc, il faudra ensuite cuire la terre une fois que la pièce sera sèche. Dans un deuxième temps, il faudra émailler la pièce et la recuire une deuxième fois pour cuire l'émail. Cool. À peu près 7 jours de cuisson pour une pièce comme ça. Donc là... Donc, le mieux, c'est de se mettre debout pour que ce ne soit pas les poignets et les avant-bras qui travaillent. Et tout le haut du corps va pouvoir fonctionner. Donc là, je pense qu'en hauteur, on est déjà pas mal. On voit que la pièce, au plus bas, elle est déjà assez grande. Même okay. si elle perd 10% en cuisson, on a déjà une belle tasse bien haute. Mm-hmm. Maintenant, il va falloir tourner la terre dans l'autre sens, tout simplement, et pouvoir l'étaler pour pouvoir réaliser le périmètre de la pièce. Le geste, je vais vous montrer avec un rouleau de mon côté. Donc j'ai tendance à prendre ma terre comme ça, mon rouleau comme ça, et je vais l'étaler de façon progressive, avec le même appui et la même vitesse. Ça permet d'avoir une pièce vraiment régulière, et ça évite ces petites sauts de puce que l'on voit à chaque arrêt. Ouais. Donc là, vous allez retourner votre terre, parce qu'elle commence à accrocher un peu au tissu. Donc vous la prenez comme ça. Vous la retournez simplement comme ça, pour pouvoir retravailler de l'autre côté. Ouais. Et vous allez voir qu'elle va s'étaler plus facilement. Donc vous allez pouvoir passer avec les tasseaux plus petits. On a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas rester sur une pièce vraiment... épaisse, ouais. Ce serait dommage d'avoir une lèvre de terre aussi épaisse. Donc le but, c'est de passer sur du 4 mm. Ça fait longtemps que vous faites ça? Alors ça va faire une bonne dizaine d'années que je travaille la terre, ça fait 5 ans que je suis installée. Je me suis installée en février 2018, d'abord dans un petit atelier dans ma maison, puisque je ne donnais pas de cours à l'époque. L'atelier a ouvert en janvier 2020, on a fait une construction dédiée à l'activité professionnelle. Et en février, on fermait, au vu de l'actualité qu'on connaît tous. Donc il a fallu redémarrer gentiment, quasiment 1 an et demi, 2 ans après. Ça oblige à repenser l'entreprise. Bon, après, ça permet de se repositionner. C'était le bon côté des choses. Par contre, c'était un petit peu long. Mais il y a quand même un peu de demande, un peu d'activité. Là, ça commence. Il faut faire toute la démarche que toutes les entreprises connaissent. Mais oui. Se faire connaître, créer... répondre à des besoins. Donc c'est des entreprises et des particuliers qui vous appellent, enfin... Les deux, oui, on a un mélange des deux. Des entreprises, par exemple, je travaille pour les boulangers en fabriquant des fèves pour le nouvel an. Ouais. Ça permet d'avoir des produits vraiment personnalisés pour la boulangerie. Hein. Donc là, j'ai un joli projet pour janvier avec une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie à la flèche. Et ça fait, ou alors des projets ponctuels pour des associations. Le restaurant Bagatelle, tu m'avais parlé? Oui, j'étais en sous-traitance, en fait,
une personne qui est dans la décoration d'intérieur, hein, que j'ai accompagnée dans la réalisation des pièces, en lui permettant d'acquérir un savoir-faire spécifique pour réaliser les pièces pour le jardin de Bagatelle. Et sinon, on te retrouve, tu as un magasin en ligne, enfin, tu as Alors, j'ai un site. un site internet qui s'appelle tout simplement ateliercéramiqueunpetit.fr, où on y retrouve une partie des pièces. Actuellement, jusqu'au 25 novembre, je suis présente dans la galerie des Jacobins avec l'association d'éco-artisans Sarthe, qui a une boutique éphémère avec une bonne vingtaine d'artisans de toute la Sarthe et limitrophes. Et à partir du 8 décembre jusqu'au 23 décembre, je serai au chapiteau des métiers d'art, place des Jacobins, juste en face du cinéma, avec l'association AMA, artisans métiers d'art, qui s'occupe en fait de réunir les métiers d'art sartois et même de toute la France maintenant, sous le chapiteau et avec une belle exposition vente. Donc là, on est au salon artisan de Sarthe, c'est ça? Déco artisan Sarthe. Donc où il y a des artisans qui exposent à la boutique éphémère des Jacobins jusqu'au 30 décembre sur deux roulements. L'un jusqu'au 25 novembre et le second qui va repartir du 27 au 30 décembre. Donc moi, je suis sur la première rotation avec les pièces en porcelaine. Donc tu peux me présenter ton stand? Eh bien, il y a toutes les pièces en porcelaine qu'on trouve à l'atelier céramique de Télocher, où on peut venir au banc pour les acquérir. Donc là, il y a des boucles d'oreilles? De la boucle d'oreille, des bijoux, de la décoration d'intérieur, de l'utilitaire, des sculptures, des boules de Noël, de la ferronnerie mélangée avec de la porcelaine. Il y a aussi d'autres artisanes comme Blandine avec les fils de Gisèle qui tricote du coton pour en faire des kits salle de bain, des sacs, des écharpes, des protège-oreilles, des porte-monnaies, des pochettes de téléphone. Il y a la puce de Saint-Ouen qui va faire des portraits à partir d'une photo qu'on peut offrir en carte cadeau. Avec des jolis cadres qui représentent Le Mans et les endroits où elle aime aller. C'est mon style déco avec Céline qui propose des pièces en métal, qui habite à Spey et qui va proposer des pièces pour l'intérieur et pour le jardin en métal oxydé ou alors en métal galvanisé. On a l'atelier déco et patine de Christine qui va refaire des meubles et leur redonner une nouvelle vie. On est en plein dans le upcycling et dans les réparateurs avec une très très belle facture de meubles qui reprend vie. Ouais, très bien. Il y a le petit atelier du cuir avec Yvan qui est de Tuffet qui a vraiment un travail splendide du cuir. Ensuite, plus loin, on a KE Création qui est une artisane du Mans qui donne des cours de couture toute l'année, hormis le mois de décembre, et qui fait des snoops, qui fait des écharpes, des suites, de la création vraiment personnalisée. Les lampes de Christine Lecouty, qui est à la flèche, avec un travail de pied qui est fait en Sarthe, et elle crée les abat-jours. On a Aurélie avec la savonnerie Cléo qui travaille des savons et des produits de soins à base de lait de jument qui est en Touraine et qui vient nous voir régulièrement. On a la société Polamix qui crée ses propres motifs, qui imprime ses motifs sur des t-shirts, des suites qui sont vraiment super avec un univers vintage et mécanique. On retrouve aussi Orphéographe avec les reproductions de François Bruère, avec des cadres à offrir ou à s'offrir, des puzzles, des tasses. On a Foxy Mandala avec Lisa qui décore des pièces existantes et qui peuvent aussi bien les au lave-vaisselle qu'au micro-ondes avec des jolis pointillés, avec un bel univers assez bucolique. Le travail de Gibou. Les pièces de Gibou, où elle a du travail du papier plissé, où elle fait des tableaux, des choses vraiment très très pointues, avec du pliage de livres aussi. On retrouve en plus, en fait main, donc on a les créations Delphine M au Mans, donc qui utilise des supports en lin qu'elle va colorer, sur lesquels elle va faire des tampons.
Okay. Et elle va les peindre pour l'intérieur. Marie Janvier, qui est créatrice de chapeaux plumiastières, qui est d'à côté de Saint-Calais, et qui fait des chapeaux sur mesure, ou alors qui réadapte ou rénove des chapeaux. Et on finit par Catherine Blanchouard, qui fait des bijoux en fimo, des bijoux en pierre semi-précieuse. Et pour le plaisir de la bouche, les gourmandises du Maine avec la boulangerie Fortin qui est avenue Bollée. Ok, cool. Donc vous retrouvez toute cette belle équipe jusqu'au 25 novembre. Ouais. Et avec une nouvelle équipe et d'autres personnes qui resteront jusqu'au 30 décembre. D'accord, super. Voilà. Donc c'est quoi l'association? L'association des co-artisans Sarthe, qui est là pour promouvoir les artisans sur la Sarthe. Ici, c'est un événement éphémère. Voilà. Exactement. Donc on est dans la galerie des Jacobins. Super, merci. Ouais, parce que des artisans d'art, et en fait, il y en a plein autour de nous. Et déjà là, à Télocher, on a plusieurs des potiers là. Alors on est trois à Télocher. Mmh. Il y a l'atelier céramique La Ronde des Terres, qui a ouvert la voie à tout le monde, hein, puisque Laurence m'a initialement formée. Elle a aussi formé Stéphanie Pless, hein, qui est potière, qui a ouvert son entreprise de poterie. Stéphanie, on peut la retrouver à Malicorne, je crois, et elle fait pas mal d'expositions. Elle a surtout un travail de tournage, donc avec des terres rouges et grises. Donc on a toutes les trois des univers différents, mais on se complète. Ouais, hein. Moi, je travaille plutôt la porcelaine, ouais. Donc avec une recherche plutôt orientée vers le design. Laurence a une est la plus polyvalente en fait, puisqu'elle allie poterie et design. Donc son univers, c'est plutôt la poterie traditionnelle, ouais, avec ses propres choix de design. Et ouais, moi, depuis 5 ans en fait, j'essaye de proposer en fait mon univers avec des pièces peut-être un peu plus haut de gamme, hein, peut-être avec un esprit raffiné en ajoutant de l'or à mes créations, de l'or, du platine avec le perlage. D'accord. De la dentelle. Et beaucoup de dessins. Cool. J'ai fait une formation joaillerie en mars dernier pour compléter mes créations, pour pouvoir offrir des pièces encore plus uniques aux clients. Donc avec toute une gamme de bijoux, avec du dessin, de l'engobe, de l'émaillage, et du travail de l'argent et du laiton que je fais plaquer or par une société française dans le Massif Central. Cool. Et puis sinon, oui, on te retrouve sur Weekendoo, c'est ça? Moi, on me retrouve sur Weekendoo, oui. C'est un outil qui permet de connaître tous les artisans locaux sur la Sarthe. Oui, ouais, Weekendoo, on retrouve les artisans autour de nous. Hein. On retrouve aussi, sur Weekendoo, justement, on retrouve en fait la possibilité de travailler le verre. Hein. Faut le mettre là. Avec Lila Force, qui est Thomas. Qui offre des cours pour permettre de faire ses perles en verre. On retrouve Art et Fusion qui propose des cours de fusing. Il va y avoir des cours de couture bientôt. Mmh. Il va y avoir des cours de ferronnerie avec une artisane de recueil qui propose sur Weekendoo aussi des cours, des accompagnements à l'initiation à la ferronnerie d'art. Mmh. D'artisans qu'on peut retrouver autour de nous, mais j'espère, moi je suis en train de développer Génération Locale, donc on va pouvoir retrouver ces artistes là aussi, je pense, dessus, ça peut être sympa. Ce qui est bien, c'est de pouvoir visiter les ateliers. Alors l'idéal, ce serait d'avoir une carte de tous les ateliers en fait à visiter. C'est ce qui manque vraiment au public et aussi peut-être au niveau des actions locales en termes de tourisme. Et ce serait chouette qu'on ait une référence, en fait, une carte référence de tous les acteurs locaux où on peut prendre des cours, où on peut simplement visiter, où on peut venir découvrir un travail. Ça, ce serait vraiment chouette parce que ça n'existe pas. C'est ce que je veux proposer avec Génération Locale, ouais. C'est exactement ça. Hein. Et c'est vraiment un outil que l'on n'a pas et dont on a besoin, en fait, quel que soit le corps de métier, que ce soit un métier de bouche, un métier particulier, les restaurants, les petits points où on peut venir faire un itinéraire de visite. On l'a en Vallée du Loir, on l'a pas, on l'a au Mans. À Télocher, on est entre les deux, on n'a rien.
dans toute la partie Bélinois. En fait, on n'a rien du tout. On se retrouve entre les deux. On a l'impression d'être une zone un petit peu non explorée, où les artisans qui sont ici, en fait, ben, sont assez isolés. Donc ça manque vraiment. Ouais, bah, c'est ça que je veux amener avec Génération Locale, qu'on puisse se reconnecter au local, les artisans, mais les producteurs, les associations, les actualités communales. Ce serait vraiment chouette, parce que c'est un outil qu'on n'a pas, et on se débrouille vraiment de façon isolée pour nous faire connaître. Donc c'est tout seul, c'est bien. On peut avancer vite ou pas. Mais à plusieurs, on arrive à s'entraider et avoir quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus sereine. Ouais. Ben moi, c'est ce que je veux vendre avec la transition écologique, mais surtout avec l'éco-anxiété aujourd'hui. Je veux dire aux gens, ben, investissez dans vos mains, parce que demain, ce qui va valoir cher, c'est les compétences manuelles. C'est pas et y a beaucoup de qui n'existera peut-être plus. C'est il y a beaucoup de métiers qui sont en train de se perdre. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de se perdre, justement. Ah oui, bah, et ceux qui les connaîtront, ces métiers-là, auront de la valeur dans leurs mains. Ah, mais complètement. Ah, il y a des choses qui ne peuvent pas... Qui se remettent à la poterie, à la couture, à la forge, à tous ces métiers-là qui sont un peu perdus, eux auront beaucoup de valeur sur le marché. Ah, mais complètement, il y a aussi des... société qui changera beaucoup. Ouais. Il y a aussi des métiers qui ne sont pas transmissibles par le biais des cours. Donc c'est vraiment du savoir-faire transmis d'apprenant à encadrant. Ah bah ouais. Et ces métiers-là, en fait, on s'aperçoit qu'ils commencent à y avoir, je vois au niveau des Pays de la Loire, ils sont en train de faire une base de données numérique pour enregistrer ces gestes-là, parce que ce sont des gestes qui vont être perdus, puisque certaines entreprises avec un savoir-faire exceptionnel n'ayant pas trouvé de repreneur, le geste va être perdu. Le local, qu'on soutienne le Made in France, même si c'est moins bien des fois, il faut investir... dans le Made in France et dans mais en local, en plus, on a des grosses richesses en termes de... On parle de couture. On a quand même pas mal d'entreprises de création textile. Donc, ce sont des petites artisans et artisanes. Je pense à Hélène Lajoigny qui fait des robes de mariée. Il y a Lutilu, il y a Madame Blabla. Donc, en termes de robes de mariée, rien que dans ce petit marché de niche... On a déjà des savoir-faire exceptionnels. Ouais. On a l'atelier des comptes qui a été primé, qui allie création et dentelle. Il va y avoir à Malicorne l'année prochaine, un festival de la broderie d'art. On a quand même une MOF à Malicorne en métier broderie qui va organiser avec le moulin de Malicorne. Elle va organiser un salon des brodeuses. Yes. Donc il va y avoir une cinquantaine d'artisanes de toute la France et de l'Europe qui vont venir faire un salon. C'est vraiment important, en fait, de pouvoir partager et d'apprendre les uns des autres. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Là, j'étais filmé un Fab Lab, pareil, un atelier partagé citoyen, où on peut faire de la menuiserie, il y a du digital aussi, de la broderie numérique. Il commence à y en avoir un peu partout en France. Il y en a un dans le centre-ville du Mans, mais c'est pas... Oui. C'est pas forcément, c'est plus sur le digital, sur l'impression 3D. Maintenant, là, le principe du Fab Lab, c'est allier le tech et digital. Alors, il y en a un aussi, il y a une entreprise d'impression 3D à Saint-Ouen-en-Belin. Donc, le jeune, il a ouvert son entreprise il y a 5 ans, je crois. Et il travaille, en fait, il fait des pièces, comme on le sait, en imprimante 3D, il y a des pièces que... des constructeurs ou des privés non plus, ouais. Qu'on ne retrouve plus sur le marché, il les recrée. Ouais. Donc là, vous faites quoi? Je vais couper la lettre. Je vais ajuster la hauteur de la pièce. Donc là, je vais caler mon avant-bras sur ma cuisse. Je vais mettre ma pointe à 5 heures. Et je vais laisser le tour travailler. Donc là, je bloque. Et c'est le tour qui fait le travail. Je ne bouge pas. Et là, j'ai coupé une lèvre droite. Donc là, vous avez votre anse à coller. Donc il faut... Je vous ai fait... C'est surdimensionné, voilà. Évidemment. Vous allez pouvoir mettre l'anse que vous voulez et couper la longueur que vous souhaitez.
Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir cet état-là et de voir qu'après, on a une pièce qui est quand même bien finie. Donc, là, avec Quick and Do, le travail s'arrête là. C'est moi qui finis les pièces souvent. D'accord. Parce que du coup, vous voyez que c'est pas fini, hein, tout ça. Oui, oui. Il y a encore un peu de travail à engager. Mmh. Je vérifie les accroches, que vous ne soyez pas déçus. C'est vraiment une initiation, une première approche de la Bien terre. Bien sûr. Vous ne voyez pas les maillages, vous ne voyez pas le nettoyage, vous ne voyez pas la cuisson. Mmh. Donc là, il faut revenir faire des ateliers perso. Si on le souhaite, après, voilà, c'est cette option-là, en fait. L'avantage de Weekend Do, c'est que ça permet de nous faire connaître. Mmh. Et après, si on a envie d'aller un peu plus loin dans la démarche, on peut revenir prendre des cours pour apprendre la finition d'une pièce, déjà. Ouais. Les maillages, le nettoyage d'une pièce. Ouais, on va essayer de trouver les lettres. On va trouver un compromis, là-haut, en taille, c'est ça. Plus petit. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Vous mettez où? Sur le devant de la tasse. Donc plutôt à gauche, ouais, le logo, la roue à gauche et puis génération locale à droite. Donc on partirait sur du vert. Ouais, c'est un vert très un peu clair. Pistache. Donc là, la roue, elle sera en vert comme ça, et l'intérieur aussi. Voilà. Il faut une dizaine de jours pour que ça sèche. Donc, Trois jours de cuisson. Je vais revenir pour peindre après la cuisson. Donc ça fait 13 jours en tout. Ouais. Pour sécher et cuire. Ensuite, émaillage et à nouveau 4 jours de cuisson. Bon, bah merci. Bah, de rien. Merci à toi.